Bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est heureux de vous présenter notre lieu de bivouac puisque nous sommes au MAS René Guillem, des vignerons indépendants qui font du très bon vin. Voilà, donc on va profiter d'être ici pour la journée et partir faire une balade pas très loin d'ici à Villeneuvette, qui est une ancienne manufacture royale dont on a très envie de vous faire découvrir ça. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on est parti à travers les vignes du MAS René Guillem. Alors, ce caveau a une particularité, c'est qu'il est tout en pierre. Alors, il est d'allure moderne. Il est tout en pierre, des gros blocs de pierre qui viennent, ce qu'on appelle la pierre du Gard. Cette même pierre qui a servi à faire le fameux pont du Gard romain que tout le monde connaît, qui est un des endroits les plus visités en France. Voilà, et alors donc là, ben, ça conserve une fraîcheur incroyable. Allez, on part, continue la balade, on commence la balade. Donc voilà, nous sommes en plein milieu du vignoble. Ils ont donc, voilà, toutes les vignes partout, c'est super chouette. Alors ils ont commencé les vendanges mardi dernier, donc aujourd'hui on est le mardi 23 août, donc ils ont commencé mardi dernier. Voilà, c'est de plus en plus tôt les vendanges. Allez, on continue la découverte. C'est pas un beau raisin gorgé de soleil tout ça? Magnifique. Oh là là, ces raisins, waouh. Alors, il faut savoir que dans ces vignes, l'été, voire des journées comme aujourd'hui, il peut faire jusqu'à 50 degrés au pied des vignes. Donc, ça tape. Voilà, fini les vignes et la chaleur intense. Là, nous arrivons dans les bois de Villeneuvette, le village dont je vous ai parlé précédemment, ancienne manufacture royale que nous verrons un peu plus tard. Là, on continue la balade. Devinez qui m'a rejoint là, derrière, là et là. Eh bien Paul et notre fille Caroline. Allez, on va faire la balade. Ah, on est en pleine garrigue là. Bon, il fait vraiment un peu chaud, mais bon, ma foi, faut faire avec, sinon on ferait plus rien. Mais c'est beau.
Donc là, on longe un ancien bassin où ils mettaient de l'eau autrefois. Donc, ils stockaient de l'eau pour la manufacture royale de Villeneuvette. Alors, c'était alimenté par un bief. Bon, bien sûr, ça, ce sont les installations qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Voilà, là, on voit bien l'arrivée du canal. Hein. C'est par là qu'ils alimentaient en eau. Alors, je ne sais pas où ils allaient la chercher parce que là, on est quand même relativement haut. Mais enfin, voilà, il y avait toutes ces installations. C'est vrai que si vous venez dans le coin, c'est une jolie balade. Très sympa, pas trop engagé, mais il y a des belles choses. On va continuer, vous allez voir. Donc voilà, le chemin longe toujours. Voilà, on le voit ici, le bief qui alimentait le réservoir qu'on a vu un peu plus haut. Alors, cette montagne qu'on voit là-bas, ça s'appelle le pic de Vissou. Alors, il y a une vigie des pompiers qui permet de surveiller tout le massif. Parce que vous imaginez bien qu'ici, le feu, c'est terrible. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais le fameux pic de Vissou avec sa vigie, vous voyez. Voilà, on va peut-être y aller tout à l'heure, on va voir. Alors on retrouve les structures du petit canal encore, de nouveau, qui suit le sentier. Et avec, je sais pas, cette petite maison, soit c'était un gardien qui avait là, qui gérait. Je sais pas, voilà, il y a plein de vestiges. En plus, moi, ce qui m'épate ici, c'est... Donc ils amenaient l'eau là, mais on est dans la montagne. Voilà, on est vachement haut, en fait. Alors je comprends pas. Techniquement, si quelqu'un avait une réponse, comment il faisait pour amener l'eau qui vient sûrement d'en bas, là. On continue. Ah bah là, les filles, hein, ils m'attendent pas, hein, ils sont motivés. Hein. Encore une structure, mais franchement, je sais pas trop à quoi ça pouvait servir. Oh, encore un vestige du passé industriel de Villeneuvette. Bon allez, là je vous emmène dans un petit endroit qu'on connaît. Alors on espère qu'il n'y aura personne. Parce que c'est un endroit magique. Il faut vraiment avoir vécu dans le coin pour venir là.
Et voilà le petit paradis. Ça faut connaître. Il fait frais. Je crois que Paul et Caroline apprécient cette petite cascade, ce petit ruisseau plein de fraîcheur. C'est un endroit que nous connaissons bien parce que nous avons habité ici pendant quelques années. C'est connu surtout par les locaux et c'est surtout l'endroit où il fait très très frais l'été. Parce qu'ici on peut attendre des températures maintenant au moins jusqu'à 40 degrés. Donc là c'est toujours très frais, on peut se baigner, c'est vraiment super. Ah, je crois que là vraiment Paul à trouver de quoi se rafraîchir. Bon, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'elles ont l'air de se régaler, alors je crois que je vais aller les rejoindre. Alors, on n'est pas bien ici? Ok. Bon, ben... Elle est bonne, hein? Elle est même pas froide. Allez, on va continuer la balade. C'était sympa de vous avoir montré ça. Donc là, on arrive à l'ancien aqueduc. On va aller voir ça. C'est vraiment bel ouvrage. Hein. Ça fait toujours partie des structures qui faisaient fonctionner la manufacture royale de Villeneuvette. Voilà. Donc c'était encore un aqueduc, hein. Alors il y a 10 ans on pouvait le traverser. Là maintenant, pour des raisons de sécurité, ils ont mis une grille. Bon, c'est vrai que l'ouvrage est en très mauvais état maintenant par rapport à il y a 10 ans. Allez, on continue la balade. Alors cette balade, bon, je crois qu'elle est faite pour les passionnés de nature et les passionnés d'anciennes structures industrielles. Parce qu'il y a tout au long du parcours, il y a plein de trucs, plein de vestiges. C'est très sympa. Ah, c'est une belle balade aussi parce que
Parfois il y a des passages comme ça, on est à l'ombre des chênes verts. C'est vraiment sympa quoi. Surtout en été comme aujourd'hui où il fait 34-35 degrés, c'est très appréciable. Bon. Et nous voilà à Villeneuvette, à la Manufacture Royale. Voilà, on voit les anciennes structures. Voilà, l'ancienne Manufacture Royale de Villeneuvette. Ah, il y avait vraiment des structures royales, hein, parce que ça c'est une fontaine, c'est assez, assez grand. Voilà, c'est un bassin. Ah, tous ces bâtiments sont fermés. Je crois que ça appartient au Conseil Général de l'Hérault. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire un jour, mais moi je les ai toujours connus comme ça. À l'abandon. Voilà, on rentre dans le petit village de Villeneuvette. Alors, Villeneuvette est devenue une commune à part entière. Alors, nous voilà maintenant au pic de Visseau, qui est aussi un endroit très très beau. Allez, c'est parti, on va monter là-haut. Bon, je pense que vous entendez mon souffle. Vous avez compris que c'est une randonnée quand même qui se mérite. Hein. Waouh, c'est un peu raide. Alors là, ce qu'on aperçoit, c'est la vigie des pompiers. Parce que là, ils peuvent surveiller tout le massif, voire bien au-delà. Allez. On vous emmène là-haut de toute façon. Alors, le pic de Visseau, avec le pic Saint-Loup, excusez-moi pour les... Voilà, c'est les deux sommets emblématiques de l'Hérault. Et c'est des promontoires pour admirer la mer et le paysage. Allez, on continue. Thank you.
la montagne noire. Là-bas, tout au fond, ici, le Canigou. Là, on le voit, les Pyrénées en fait. Hein. Voilà, au milieu de l'écran, on continue à tourner, on voit bien sûr la Méditerranée. On continue. La petite montagne qui se révèle là-bas, eh bien, c'est le Mont Saint-Clair de Sète. Et on continue à tourner. Là-bas, on voit encore la Méditerranée, et derrière, c'est Montpellier. Voilà ce magnifique panorama. Là en bas, c'est le cirque de Mourez. Là-bas, on était hier, le lac du Salagou. Au loin, là-bas, la montagne, ici, c'est le pic Saint-Loup. Et on continue à tourner pour se retrouver avec le Mont Saint-Clair, là-bas au milieu. Et de nouveau, la Méditerranée. Eh bien, c'est devant ce magnifique panorama que se termine cette vidéo. J'espère que vous aurez eu plaisir à vous balader avec nous entre les vignes du Mas René Guillem, la manufacture royale de Villeneuvette et le pic de Missou avec son panorama extraordinaire sur le département de Méron. Allez, à bientôt les amis, bye bye. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous partager l'endroit où nous sommes, puisque nous sommes au Mas René Guillem, des producteurs de vin, hein, du nom, tout simplement. Alors ça, c'est les vestiges d'un ancien bassin qui alimentait Villeneuvette, qui est un peu plus bas, pour faire les tissus et la manufacture, quoi. Enfin, il avait besoin d'eau, les trucs. Ouais, mais même, elle coudra toujours. Alors, je ne sais pas si à la caméra on voit bien. Là-bas, c'est le Canigou. Eh bien, voilà les amis, c'est derrière ce magnifique panorama que se conclut cette vidéo. J'espère que vous aurez eu plaisir à vous balader avec nous entre Villeneuvette, les vignes du Mas René Guillem et pour finir ce point de vue sur le pic de Missou sur toute la Méditerranée, enfin toute la Méditerranée, on s'entend sur une bonne partie. Bon alors les filles, cette balade c'était comment? On se restait une bateau. Super. Super. Et toi Caro? C'était merveilleux. Bon ben voilà, ben, on te remercie parce que c'est quand même grâce à toi qu'on est venu au pic de Missou. On est venu au pic de Missou. Voilà. Allez, bye bye.